pas qu'elles auraient tendance à nous faire chier? Toutes? Vous êtes du quartier? Non, de Montrouge. Et elles sont comment à Montrouge? Va arriver un moment où on pourra plus, ça c'est sûr. Et alors là? À force de jouer avec nos nerfs. Fragiles les nerfs. Et on en a beaucoup. Alors s'ils pètent tous à la fois, ça risque d'abîmer leur petite gueule. Elles auront que ce qu'elles ont cherché. Moi, c'est pas compliqué, j'étouffe, je suis asphyxié. Forcément, ils nous pompent tout. Mais ça va pas durer comme ça, moi je vous le dis, il faut que ça craque. Et qu'à faire la valise, point final. Si je vous dis Maki, qu'est-ce que vous me répondez? Maki? Ouais. Attendez, bougez pas, je vous dis. Sous-bois, silence. Chaque bruit compte dans le silence. Un oiseau qui s'éveille, une branche qui craque, un chevreuil qui s'enfuit. Progression à pas feutrés sur la mousse. Vieilles chaussures parfaitement culottées, c'est l'aube rosée. Dans les creux des petites nappes de brouillard. Hop, le chef s'arrête. On est arrivé au point de rendez-vous, un arbre mort, un mélèze. Maintenant, on va attendre les autres, les gars de Fleurac, les gars de Mérouge. On s'assied. On sort un paquet de tiges, on se le partage à 10. Personne parle, on fume. C'est la première, celle du matin, la meilleure. On est bien. On a un peu peur, mais on est bien. On trompe. Les femmes, on n'y pense pas, on s'en fout. Oh, ça nous manque pas du tout, leur semelle compensée. On tire sur la cigarette et puis c'est tout. Le chef sort son cognac, il dévisse le bouchon, on se dit. Avec un peu de bol, il va nous enfiler une goutte. C'est du bon, du 15 ans d'âge. Et il nous regarde, il comprend, on se passe la fiasque. Pas une parole de prononcer. C'est pas la peine. On est comme les 10 doigts de la main, jamais d'histoire de pataquès.